Bonjour YouTube, j'appuie sur le bouton pour quitter le niveau et on repart dans les suites de nos aventures. Ah, toujours le tuyau magique, bien sûr. Et me dites pas que j'ai perdu la sulfateuse parce que je vais pas aller dedans. Quand je remonte dedans, vite. Ah non, c'est l'autre qui limite. C'est normal, Fallout c'est trop bien. Ouais, Fallout Skyrim c'est vraiment des Time Wars, si je puis dire. Chapitre 2, Doc. Ah non, c'est bon, j'ai gardé ma... Et il me fait rip-hop une sulfateuse. Non, je peux pas la raccrocher du coup. Je tue tous les putains de nazis sur place. Oui. Et ensuite, on se tire de là en vitesse et on rejoint Kessler à la taverne. Il y avait plein de trucs, je pouvais pas aller les loot. Ouais, mais t'es résistant, toi. Ok, je vais devoir la décrocher parce que je prends cher, en fait. What? Enfin, je codais avec le cul de Xbox de merde. Où, qui, quoi, comment, toi, là-haut? Apprends à viser. Furtivité. Merci. Alors par contre, je vais devoir lâcher celle-là. Non mais hé! Oh, vous me foutez la paix, bordel! What? Vite, lâche-moi. Et là, le jeu qui troll. Vous pouvez changer les difficultés du jeu. Non, merci, je suis déjà qu'en normal. J'aimerais bien qu'on me respecte un minimum. Dire que je me sers d'une mitrailleuse comme d'une pétarade à mamie là. Ah bah voilà ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Ça se casse. Il y a des trucs qui se cassent ici ou à part ma vie quoi. Ouh, c'est tout rouge. Limite atteinte. Je ne sais pas de quoi. Ok, ça c'est pour déclencher les enfreilles. Alors du coup, je vais me balader un petit peu avant. Histoire de récupérer de la vie, des munitions. Des gens morts. Limite atteinte, ohé ohé. Sans HP, parfait. Donc ce coup-ci, si je vois des HP, ne pas les prendre. Prendre l'armure, oui, c'est bien. Non. Oh, deuxième couteau. Bah voilà, maintenant je peux lancer des couteaux. L'armure, ok. L'armure, c'est ok. D'accord, vous êtes cassé sur les bois-boîtes. Oh, petit deuxième bateau. Je tombe dans l'eau, très bien. Okay. Il n'y a plus rien, bonbonne. Donc je peux venir à la rigueur chercher une deuxième, mais je me dis, est-ce qu'elle va pas être utile à un moment ou à un autre. Des grenades. Oui, il va falloir que je pense à les utiliser. Plein de munitions. Donc à la rigueur, double sulfateuse. Et vu qu'on va déclencher les enfires... C'est le deuxième bateau qu'il nous faut. Eh oh. Je suis sûr qu'à un moment quelqu'un va nous faire chier. Non? Ready? Bon bah je me charge.
Tu le rends, hein? Oui. Dépose. Dépose des amis à la piscine. Où êtes-vous? Eh, mais je repars. Mais c'est de là que je suis venu, non? C'est quoi ce mode de difficulté bac à sable? Il y a des munitions partout. Merde. Ah! Petit niveau bonus. On va encore mourir comme un gros tocard. Non mais les chiens, pas de munitions, voilà quoi. À partir du moment où il y a des munitions, tout va bien. Oh putain, j'ai cru, je sais pas pourquoi j'ai cru, oh une soucoupe volante, tire dessus. Allez, on va tâcher de rusher le niveau, je le connais pas non plus. Là, je connais plus les bonus, hein. Je connaissais que le niveau 1, les bonus. Ah, j'ai l'impression que par contre, on peut recharger, ça cancel l'animation. Je suis allé par là, je crois. Oui. Non. Je lui ai fait une moustache. Ya ya, je suis croûteux. Je tire un faux mur derrière. Je ne connais pas ce niveau. Bon, c'est pas des niveaux durs, hein. Il y avait que les chiens au couteau là où j'ai un peu déconné. À partir du moment où on récupère des munitions, tout va bien. Qu'est-ce qu'il écrit, Nicole? Le négationnalisme. C'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Voilà, par contre, parfois les animations donnent envie quand même de vomir. Oh! Et il tire dans le mur. De panique, il tire dans le mur. Ah, limite atteinte, c'est très bien. C'est où la fin? Pourquoi un puits? Un puits d'eau? Non, d'accord. Non, je peux pas casser ça. Négationnisme. Alors, c'est-à-dire dire que les nazis ont pas persécuté les juifs et dire qu'il n'y avait pas de camp de concentration. Oui, donc dire la vérité, quoi, en fait. Je rigole. C'est la fin? Ah bah là! Quand on n'est pas au couteau, ça, on rigole moins, hein, les chiens! Tiens, je mange votre bouffe, moi. Je me suis quand même pris une balle, quoi. Abusaï. Bon, j'ai bientôt fini le niveau. C'est l'ambiratique. Alors, je rappelle bien sûr hein, que ces niveaux-là étaient quand même nettement plus durs dans l'autre jeu, puisque vous n'avez pas tous ces déplacements hein, et cette visée. Là, c'est plus pour le lols, quoi. Il court en luttant le sol.
D'accord. Et c'est pas la sortie. C'est où la sortie? Oh mon dieu. Ne dites pas que je vais être perdu. Ne dites pas que je vais être perdu. Oh merde. C'est où? Alors les chiens, on les avait tués. Ok. Forcément, on vient de par là. Ah! Ah! C'était forcément par ici puisque je ne connais pas cette pièce. Je suis perdu dans un niveau bonus. On va peut-être plus les faire alors. Hein. Ça s'en fout, c'est que de la bouffe. Si on n'avait pas déviré sur les deux puits là. Ah non, je suis retourné en arrière là, les chiens. Du coup, c'est bien par là. Ouais, si tant qu'il y a des morts, c'est que c'est bon. La fin du niveau. Alors, miam, 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 miam. Boum. Alors, ça fait beaucoup moins America. Les méta. Oh non. Et comment je sors d'ici? Bon, vous connaissez la théorie du labyrinthe, hein, bien sûr. Suivez toujours le mur de gauche ou de droite. Hein, d'ailleurs, ça marche. Ça marche aussi. Il faut toujours suivre un mur avec une de ses deux mains et vous finissez par trouver la sortie. Mais là, si on pouvait s'éviter ça, ça pourrait être cool. Tom, 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 tom. Je veux sortir. Il absorbait les balles de ses copains, lui. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est la porte d'à côté? Le carrousel des armes, s'il vous plaît. C'est bon. Sinon, effectivement, c'est très simple. On meurt et c'est fini. Un peu chiant quand même, non? C'est rigolo, mais je les ferai peut-être plus, hein, si c'est aussi long. Je peux pas faire le double arme en plus, hein, c'est vraiment nul. Non, je peux faire que le simple. Ok, super, on est vu là et c'était pas là. Après là, c'est plus là. Mon dieu, je suis perdu. En fait, c'est un troll, le niveau n'a pas de fin. Non, il nous ferait pas ça. J'espère que vous avez dessiné une map dans votre tête. Et là, si vous me dites qu'il faut une clé pour sortir, je rachète.
Ok, souvenez-vous de la route de retour, hein, je vous fais confiance. Je suppose que c'était chez les gardes. Là, je quitte. Je suppose en plus qu'il y a l'option quitter le niveau. Hein. Recommencer le niveau. Non. Non, mais il y en a un qui doit avoir la clé. Merde. Est-ce que c'était un des deux officiers que j'ai tué? Tellement ça. Mais oui, non, mais ça se voit. Et par contre, derrière, c'est sûr, c'est la sortie du niveau. Mais... est-ce que j'ai raté sur un des deux officiers, par exemple? Oui, c'était là, hein. Porte 1. Oui, les tables tournent en même temps que moi. Vous avez remarqué, les cadavres des officiers ont disparu. Je suis perplexe. Et perdu. Alors ça doit être rigolo, hein. Quand on avait que ce jeu-là, quand on était enfant, hein. Mais là, c'est un peu chiant. Bonsoir, Mathis. Bonne année. Alors, à toutes les personnes que je n'ai pas encore vues, bonne année. Tout ça, tout ça. Mais là, quand on a un vrai jeu, voilà, c'est pas très drôle. En vrai, quand t'es gamin, tu refais le niveau, tu fais une map, et tout va bien, et tout est rigolo. Mais là, en vrai, ça m'emmerde. Ouais, je comprends pas, les vieux jeux, le machin, tout ça, oui, tout ça, oui, tout ça. On dirait les écrans de Windows 95, vous savez, les écrans de chargement de... Ah! Est-ce que c'était le début? Ah! Ah! Voilà! On rate? On est nul? Dans les tas de cadavres là. J'espère que... Eh, par contre je vous ai demandé de retenir la route de retour, hein. C'est pas moi qui vais me la taper, hein. Vous allez me dire à gauche, à droite, je sais pas où vous démerdez, mais... Alors la prochaine fois qu'il me vient l'envie de faire un niveau bonus, vous me latez les noix, d'accord? Virtuellement. Vous me lattez les couilles. Voilà. Ah, la clé. Parfait, on se casse. Cours. Dès que t'as aucune chance, cours. C'était par là. Je crois. C'est vrai que Nichols, te connaissant, même si t'avais retenu la route, je suis pas sûr que tu m'aurais donné la bonne. Direction. Alors, je ferai pas le suivant, en fait. Le fait qu'il fallait trouver une clé, l'un de garantie, machin. Alors ça, je peux... Si c'était ça, le jeu que j'avais acheté, ça me dérangerait pas. Mais ça, c'est qu'un bonus chiant. Oui, si, par là, je crois. Cours pour ta vie. Si c'est pas ça. Mon dieu, si c'est pas là. Enfin, c'est pas encore tout à fait par là. Ah, si. On avait les nazis par ici. Donc j'étais revenu par là parce que je pensais que la clé était par ici. Donc on n'est pas loin. Au final, je suis content d'être mort dans l'autre. Avec les chiens, vous savez. Oui, ça commence à me dire quelque chose.
dit quoi? Par là, là. Oh, alléluia, alléluia. Ah ça, c'est pas fini, très bien. Putain, moi qui tirais mes balles n'importe où. America. Allez. Oh non mais... Je vais rush-kit. Je vais rush-kit. Je suis arrivé de par là. Je suis arrivé de par là. Oh oui! Oh oui! Tout ça pour ça! Ça me sort complètement de l'action. Reprenons. Reprenons. Oh merde! Alors par contre là c'est officier. Continuez à pied. Voilà pourquoi je suis passé directement en mode furtif. Et là, j'ai la sauvegarde rapide qui me démange. J'ai la sauvegarde rapide qui me démange. Alors je me gratte un petit peu. Ça me soulage, mais ça s'arrange. Mais ça n'est pas très sérieux. On peut les tuer, ils sont débiles. Quand ils voient leurs copains morts. Bombenchute. Il y en a un qui faisait sa ronde hein, par là. Ouh, il y a un petit garde là, il y a un petit officier là-bas. Ah si. Ok, et eh ben on va. Oh mais c'est d'accord. Ah, d'accord, on peut pas lancer le dernier couteau qu'on a sur nous. Double machine gun. Alors spoil, ça va être la merde. Précis hein, pour le buter là-haut lui. Hey, y'a choucroute, regarde, tu ne peux pas m'attaquer parce que je suis en train de monter les escaliers. Et un officier en moins. Hein. Oui. Excellent. Vas-y. Oh, presque. Ok. C'est tant que j'ai pas buté les gardes. Content. J'ai utilisé une grenade. Merde, je pense. Olé, olé, vous vous calmez tout de suite, hein. Ok, il y a son... Il y a leur pote qui a... Enfin, l'officier qui a 30 mètres. C'est lui. Non, c'était pas lui. Ça y est ? Visiblement. Eh ben je m'en suis sorti quand même. Incroyable. Bon, va falloir que je retrouve mon couteau. Hein. Ça, c'était la séance infiltration. Vous avez remarqué. Infiltration réussie. Personne ne sait que je suis arrivé. J'aurais mieux fait de récupérer la sulfateuse et y aller bourrinos. Bonjour, 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 bonjour. Je reloute hein, pour faire le...
Allez. Oh, petit trésor. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais, je l'ai vu. Ok. Pathfinding. Je vais y arriver. Putain, comment on bouge ces caisses de merde? Je vais passer par le haut. Youpi, je cours. Ah, la lampe à une hitbox, merde. On recommence. Oui. Ah. Je le savais. Et là, niveau... Donc ça, c'était pour faire l'entrée discrète. Ah non, vous avez trouvé une zone secrète. Et... Est-ce qu'il a... Il a de l'oxygène? Il a besoin? Tire sur la caisse. Ah, j'aurais pas pu le faire, effectivement. Chef, un bateau arrive. Alors, j'ai découvert une zone secrète. Mais je ne peux pas passer. Si. Bah, c'est... Donc c'est ça, c'est la même zone, mais qui m'aurait permis en fait de faire une arrivée discrète. Et comme je ne sais toujours pas comment on remonte de ces merdes, voilà, merci. Voilà, c'était l'arrivée discrète. Bonjour. Bon, au niveau des HP, c'est bon, c'est ok. Au niveau des munitions, je sais plus où j'ai foutu mon couteau par contre, ça c'est chiant. Ah, oh. Ça c'est bon. Trop lourd ça. Trop lourd. Trop lent. J'ai beaucoup aimé la grenade que j'ai balancée. J'en ai pas retrouvé depuis, mais voilà. Ah, la clé. La map. Le tableau. Petit passage secret, visiblement. Ah, il y avait moyen de faire furtif, hein. Je vous conseille, si vous connaissez le jeu, de le faire en furtif. Quoi, j'ouvre les caisses? Ok, je vais acheter, hein. On sait jamais. Ouh. Il a pris cher. Caisse indestructible. On a se demander hein, pourquoi ils font pas des armures en tonneaux. Hein, puisque les tonneaux, ça arrête les balles. Invulnérable, tout ça. D'accord. Donc ça, c'était l'arrivée furtive. Donc vous prenez le bateau, vous tuez le mec là-haut, vous arrivez là, paf. Bonjour madame, je viens réparer la photocopieuse. Ah, j'ai trouvé une clé, mais c'est pas là. L'or, merci. Ça sert à quoi ici? Dis pas que ça sert à faire une attaque furtive. Hein? Ils sont cons. Bon, j'ai trouvé une clé, mais je sais pas à quoi elle sert. Ah bah elle sert à ça. Tout simplement. Carte mise à jour, oui. Oh non, j'aurais planqué un bonus. Ah bah voilà. Facile. Weil ich an die Erhaltung der Reinheit unserer wunderschönen Straße glaube.
C'était pas tout à fait voulu. La discrétion, oui ça me connaît, la discrétion. Cette air, ça me rappelle la tourbière près de la ferme des Johnson. Cette odeur de végétaux en décomposition et de bois humide. Oh, c'est une nouvelle arme ça? Ah mais non, c'est vrai que c'est l'arme numéro 12, 40. Après, j'ai une... voilà. Qu'est-ce que c'est que cette arme? On l'a pas encore testée celle-ci. Comment elle marche? Pas discrète, mais à mon avis elle est assez... voilà. Elle ne manque pas d'arguments percutants. Le petit bruit super agréable. Bon. Ça serait mieux avec deux. C'est toujours mieux avec deux. Vie de merde. Vous avez découvert un passage secret. Oh, oh l'escalade. Ça m'avait manqué. Oh oui. Attendez, souris 4 pour préparer à tirer. Souris 4, c'est quoi chez moi? Lolo ça. Oh, je pourrais, hein. Comment ça, feu à volonté? Comment ça, feu à volonté? Non mais vous rigolez, feu à volonté, on est d'accord. Ah, vous avez découvert une zone secrète. Les catacombes. Avec l'or. Merci. C'est tout? Ah! Ouais. Voilà. Donc j'aurais pu remonter par là plutôt que par là-bas. D'accord. Mais non, parce que. Je sais pas. Parce que. Voilà. Et fuck! Va te faire foutre! Ich liebe dich! Voilà. Ça va. Si la seule chose que je sais dire en allemand, c'est je t'aime, on pardonnera. Là, il y a un autre secret, je pense. Putain, mais je sors de l'eau, je me prends une balle, quoi. Non, mais, comme dans la vie réelle, quoi, en fait. Hop là. Oh, donne-moi ton épée. Écrit, achète-toi une meilleure carte graphique pour jouer en ultra hat définition. Mais c'est écrit en allemand, c'est pour ça. C'est vrai qu'il y a la map, mais on la regarde jamais. Ça marche pas. Chut, 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 chut. Tais-toi. Voilà, tu m'énerves. J'ai tiré avec les deux en même temps, vous voyez. Paf, paf, paf. D'ailleurs, vous savez, je l'espère que vous le savez. Que tirer avec deux armes en même temps, c'est-à-dire en dual, hein, ça n'existe que dans les films et les jeux vidéo. Hein. Dans la vie réelle du monde véritable, c'est... Pardon. C'est quasiment impossible d'être précis avec. Ta gueule. T'es où? Non, 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 jamais de la vie, grenade. Boum. Boum. Quand ton cœur fait boum. C'était quoi, 7? Ouais, 7. Non.
Oh, pourtant, j'aurais cru. 8. Bon. Goût des arbres. Merci. D'accord. Arrivée discrète. Et j'ai gagné un couteau. Et là, bien sûr, ça se casse pas. Oulala. Oulala. On verra ça tout à l'heure. Vous verrez ça tout à l'heure, d'ailleurs, YouTube. Des bisous. Ben oui, il fallait bien que ça s'arrête un moment ou un autre. Allez, ciao, à la prochaine.